Et à 3 jours du mondial, eh bien, les supporters, nous, vous, on est très enthousiastes. Reportage d'Emmanuel Guins et Brune Daudré. Bleus, 8-0, avec un tel score, les supporters n'ont plus de doute. Les Bleus sont fin prêts pour le Brésil. Très beau match avec beaucoup de buts, une équipe de France très motivée et qui va faire une belle Coupe du Monde. Magnifique, et franchement l'équipe de France, on est tout fiers d'eux. On savait qu'ils étaient forts maintenant, mais à ce point-là, non, on savait pas, ils nous ont vraiment surpris. Les supporters sont donc unanimes. Il y a juste un point sur lequel ils divergent, le forfait de Ribéry. Personnellement, j'ai vu un superbe joueur comme Griezmann et Valbuena, mais je pense que Ribéry, il est au-dessus de tout. Non, je suis pas d'accord avec vous, Philippe. Ribéry, tu nous manques. Non, au contraire, moi je dis que Ribéry, il faut pas qu'il soit là. La preuve, elle est là. Après, ils l'ont tous concédé, la Jamaïque n'est pas l'adversaire le plus féroce, mais peu importe, un match comme ça, ça permet surtout à l'équipe de France d'engranger un maximum de confiance. Tout le monde a marqué, c'est de bonne augure pour être le plus déstress possible, le plus appliqué face aux gardiens pendant la Coupe du Monde. Et cette confiance a aussi gagné les supporters qui ont tous maintenant de très beaux rêves pour leur équipe. Et on souhaite que l'équipe de France aille en finale.